Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéothèque. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de bruit. Une revue et déballage d'un produit fourni par Transmart en personne. Je vous avoue que c'est un plaisir de pouvoir faire partenariat avec cette équipe. Alors aujourd'hui, on a un haut-parleur Bluetooth avec une conception très intéressante. Donc commençons par le commencement. Alors juste ici, vous devez avoir l'emballage du Transmart Element Groove Bluetooth haut-parleur compatible IPX7, autrement dit étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre et qu'en puissance de sortie jusqu'à 10 watts, de quoi écouter de la bonne musique à la plage. À l'arrière de la boîte, nous avons certaines caractéristiques importantes du produit, de sorte qu'il y a un radiateur passif de conception pour basse profonde, une autonomie jusqu'à 24 heures. Il dispose également d'un microphone intégré pour répondre aux appels. Il dispose également d'un diagramme. Voici les différentes parties du haut-parleur Bluetooth dont on parlera plus tard. Alors, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Alors, en gros, on a ici une petite boîte, on trouve les câbles et la lanière inclus. Bien sûr, nous avons le haut-parleur lui-même, mais d'abord, voyons quelle autre chose nous avons à l'intérieur du paquet. Comme d'habitude, nous avons une carte de garantie et le manuel d'utilisation. Il y a tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le Transmart Element Groove haut-parleur Bluetooth. Dans le petit emballage, ici nous avons cette lanière pour que nous puissions prendre le haut-parleur partout où vous voulez. Un câble USB de type C pour le charger qui est très agréable et un câble auxiliaire de 3,5 mm. Maintenant voyons le haut-parleur lui-même. Alors voici le Transmart Element Groove, il fait une tonne. Bien sûr façon de parler, mais on le sent vraiment solide et durable. C'est une meilleure version des émetteurs précédentes en termes de construction. Donc devant, nous avons une doublure en plastique très dur et au milieu, bien sûr, le haut-parleur avec le logo Transmart sur la grille, ainsi que 4 vis sur chaque coin. Il y a bien sûr un microphone intégré en, comme on a dit. À l'arrière, on a la conception du radiateur passif et les 4 vis de chaque coin, ainsi que la doublure en plastique dur. Avec au centre le radiateur passif, bien évidemment. Derrière le cache, nous avons le port USB, le type C, la fente pour la carte micro SD et le port 2,5 mm. Tout cela protégé par ce rabat en caoutchouc pour l'étanchéité. Nous avons le bouton d'alimentation, le bouton play et volume, ainsi que l'emplacement pour mettre la lanière. Ici au fond, nous avons quelques informations techniques ainsi que certaines certifications. Le contour de l'enceinte est protégé par un caoutchouc, ce qui aidera à absorber tout impact et surtout le rend encore plus durable. Comme je dis, Transmart Element Groove a évolué pour donner un produit durable et fabrication très solide. Malgré cela, il pèse environ 442 grammes, mais pour être honnête, je suis un peu inquiet car la partie radiateur passif exposée du haut-parleur est un petit peu fragile. Donc possible d'être endommagé, je pense qu'ils l'ont fait ainsi pour éviter des effets sur la qualité audio ou cela reste juste esthétique. De toute façon, il sent sacrément bon, mais il faut juste faire attention à ne pas le casser. En effectuant le pairage avec le smartphone, c'est très simple. Il suffit d'allumer le Bluetooth sur votre smartphone, allumer le haut-parleur en haut sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes et il passera automatiquement au mode d'association. Associez-le et vous êtes prêt à l'utiliser. Maintenant, on peut commencer à jouer de la musique et vous pouvez contrôler directement votre lecteur à partir du Transmart Element Groove en utilisant le bouton Play. Vous pouvez également passer d'une piste à une autre en maintenant les boutons de volume. Et vous pouvez utiliser également ces boutons pour les appels téléphoniques
En parlant d'appels téléphoniques, le Transmart Groove, comme on l'a dit, a un microphone intégré et selon mon test de son, il est fonctionnel et la voix venant du micro est tout à fait compréhensible. En termes de connectivité, il a une distance de transmission jusqu'à 30 mètres sur un emplacement ouvert, sauf si vous placez cela dans un emplacement où il y a des murs et beaucoup d'obstacles. Sinon, vous n'aurez pas de problème au niveau du signal. Maintenant, en termes d'autres comportements, il prend en charge réellement via le mode sans fil, le mode stéréo, essentiellement si vous appareillez deux enceintes pour agir comme haut-parleur. Il fournira encore une meilleure qualité audio et une écoute de longue durée. Comme je l'ai dit plus tôt, cela vient avec une lanière que vous pouvez attacher afin que vous puissiez accrocher cela n'importe où. Vous pouvez également insérer une carte micro SD pour jouer de la musique sans utiliser aucun autre appareil qui en théorie devrait économiser plus d'énergie. Vous pouvez aussi connecter directement votre smartphone Transmart Element Groove en utilisant le câble 3,5 mm inclus pour la lecture audio sans latence ni délai. Pour un si petit appareil, je suis vraiment impressionné par la vie de batterie de Transmart Element Groove qui a évolué à 24 heures de musique en continu. Bien sûr, après mon test réel, cela ne change pas, ça reste dans les 22h30 à 100% de volume via Bluetooth. J'ai même dû l'éloigner tout en le testant parce que mes oreilles se sont fatiguées en écoutant de la musique. Selon la spécification de temps de charge, cela est environ de 2h30, mais réellement cela m'a pris 3h en utilisant un chargeur rapide. C'est un peu plus lent que prévu, mais pour 24h de musique, Transmart Element Groove est certifié IPX7, qui signifie qu'il peut résister aux éclaboussures et, ou même être trempé dans l'eau jusqu'à 1 mètre. Cela est vraiment bon pour les activités en plein air, même dans les conditions pluvieuses, afin que vous puissiez écouter de la musique sans se soucier. Maintenant, quand il s'agit du son, la qualité du Transmart Element Groove bénéficie d'un design de radiateur passif qui permet essentiellement d'augmenter les basses fréquences sans utiliser tout autre dispositif électronique à l'exception de l'unité de haut-parleur principale. Il fonctionne parfaitement avec ce petit facteur de forme. Alors voici le son testé pour vous, les amis. Donc avec le radiateur passif, la conception du Transmart Element fournit une quantité suffisante de basses, même sur un tel appareil qui est très impressionnant. Avec cela, je pense que la qualité sonore est globalement mieux que d'autres produits Transmart de petite taille. En dehors de la basse, des médiums, les hauts sont très clairs et un son global. La qualité est très bonne en matière de volume. Il est prudent de dire que cet appareil reste petit et peut être mis dans une chambre sans problème. Et en fait, il ne dérange pas, même avec un volume très élevé. Pour un si petit appareil, le Transmart Element Groove est très impressionnant en termes de qualité et de conception. Ainsi, la qualité sonore globale avec son radiateur passif, qui est le seul inconvénient pour moi, c'est le fait que ce radiateur passif qui est exposé peut avoir des dommages prématurés. Surtout si vous le mettez dans votre sac pendant le transport. Donc la protection du Transmart Element Groove agrandi a donné un périphérique audio portable très puissant pour être résisté aux éclaboussures et d'autres éléments. Et c'est un parfait compagnon pour les personnes actives.
Alors les amis, merci d'avoir regardé, merci à Transmart pour l'envoi. Vous pouvez obtenir le produit à partir de liens ci-dessous. N'oubliez pas également de vérifier l'intégralité de l'article que je mettrai par la suite pour plus de détails. Lien également qui sera dans la description. En attendant la prochaine vidéo, un nouveau produit Transmart en cours de réalisation pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.